monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on enchaîne, c'est David K. Et là, 4864, faut y aller, faut faire des victoires absolument. Je vous cache pas que là, j'aimerais faire une série de 3, donc on fait 3 matchs par vidéo, il me faut 3 victoires, tout simplement, pas plus, pas moins. C'est aussi simple que ça là, parce que là, ça devient très très compliqué. J'ai pas un super deck, franchement, j'essaierai la saison prochaine d'avoir un nouveau deck et pourquoi pas inviter des pro players sur la chaîne, essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et là regardez, voilà, encore une fois je manque de chance parce que mes troupes pour défendre l'aérien arrivent derrière et on a pris déjà un tarif sur la tour. Oh là 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 là. Alors heureusement que j'ai la bûche là qui va aller sanctionner la princesse de suite et que peut-être je dis bien mon archer va mettre un ou deux coups. Non, même pas. Oh là 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 là, c'est... C'est compliqué là, c'est compliqué. Heureusement que je vais pouvoir counter. J'espère qu'il a pas la bûche parce que sinon c'est tout vu, c'est bénef pour lui. Ok, oh là 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 là, les squelettes à 1 qui m'empêchent de cibler la tour. Putain, je l'ai eu. Oh génial, la princesse qui devrait tomber et ça, ce serait parfait. Oh là là, elle est pas tombée, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Horrible, hein. Là, je surcharge pas plus. Parce que... Oh, ça, c'est bien, ça, par contre. Les gobelins, là, qui me permettent de faire un gain d'élixir. Parce qu'on les fait tomber. Et putain, et c'est là que je m'aperçois que ça coûte trop cher. Je me tâte à enlever ce bourreau, hein. Je me tâte à enlever ce bourreau parce que là, voilà, tu vois, je... J'arrive pas à m'en sortir, quoi. J'arrive pas à placer un golem. Des fois, je me dis, bah, place un P.K. plutôt. Parce que le P.K., au moins, il pourra défendre un chevaucheur ou ces choses-là. Je devrais peut-être essayer de partir sur un P.K., finalement. Et... ah ouais, putain, je mets même pas un petit... Ah, si, je mets un petit coup de bourreau, ok. Et là, je vais placer un golem. Hein. Je vais placer un golem parce que de toute façon, sinon, j'y arriverai jamais. Et je te cache pas que ça me rend débile. Ça me rend débile. Il est placé. Oh là 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 là, putain, les barbares d'élite. Oh, une fois qu'ils auront pris le focus de la tour, je pourrais les défendre. Ok. Alors, il a fait 8 d'élixir. Ok. Alors là, on va pas se leurrer. Hop. Oh, vas-y, 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 vas-y. La boule de feu. On va... Je vais à la principale. Là, je tente du moins d'aller à la principale parce que c'est ma meilleure solution. Ok, la boule de feu est passée. Une fois que la boule de feu est passée, on peut envoyer des gobes. Les barbares d'élite, faut les faire tomber. On renvoie un dragon. Oh là 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 là. Je renvoie un bourreau. Oh putain, est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça peut passer? Ok, il y a un autre bourreau. Une voleuse. Oh là là. Allez, vas-y David, vas-y. Vas-y mon gars. Putain. Ah là, je suis refait. Je suis refait mon gars. Le mec... C'était chaud, c'était tendu, mais son agression barbare d'élite, elle était trop prétentieuse, quoi. Ah, je suis refait d'être revenu, là. Putain, oui. Ok. Vas-y, j'enchaîne le match. Oh, putain. Je suis content. Je suis content parce qu'une victoire sur un 3 couronnes, c'est toujours agréable. Ça fait plaisir, surtout quand t'es en difficulté et que tu reviens. J'ai placé un golem. Un ou deux golems. Un golem, en tout cas, et il a été puissant. Donc, ça fait plaisir. Allez, faut y croire. Faut y croire. Voilà, ça c'est le petit push qui coûte pas trop cher, mais qui va... Allez, vite, 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 vite. Allez, les archers, voilà, ça c'est bon, ça. On a fait tomber le collecteur. C'est magnifique. J'adore. Est-ce que je laisse ou pas? Non. Non, 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 non. Je préfère faire ça. Voilà, ça élimine les gobes, c'est vrai. Je perds 2 points d'élixir, mais à côté de ça, bah, je gagne 600 points de vie, je crois. Donc, je préfère faire ça. Attention, là, voilà, c'est là que ça devient compliqué sur la défense, parce que j'ai que le... Voilà. Ouf. Bah, écoutez, je fais comme lui, hein. Je fais comme lui. Par contre, voilà, là, le problème, c'est que moi, j'ai pas de grosses troupes pour défendre derrière le golem, par exemple. Et ça, c'est un petit peu chiant. Donc, je vais jouer des troupes qui coûtent pas forcément très cher, mais en nombre. En nombre pour cumuler des dégâts plus vite et plus intéressants. Voilà. Voilà, c'est bien parce que là, on a commencé directos à taper le golem avant lui, en fait. Donc, hop, le baby dragon qui va prendre... moi, je veux prendre la défense, je veux tout prendre sur le golem. Hein. Je veux tout prendre, je veux défendre le golem absolument. Et là, faut que je garde le foudre. Faut que j'économise un foudre. Faut que j'économise un foudre qui me fera plaisir. Allez, les archers qui vont tuer le dragon, génial. Génial, les amis, là. Ça, c'est tout bon, ça. Ça, c'est bénef. Je vais même pas avoir besoin, regardez, de... Ça, c'est tout bon, ça. Yes! Yes! Le bourreau, faut qu'il le défende. Putain, je vais peut-être faire. Ah, il prend pas la tour. Les gobelins à 2, logique. Logique, 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 logique pour counter. Voilà, magnifique.
On va s'en sortir, les potes. On va s'en sortir. On vise le 3 victoires. Je vous l'ai dit, le 3 victoires, ça déconne pas. Mais faut le faire. Faut le faire. Faut remonter, là. Faut remonter. Ok. J'en profite pour jouer un golem. Je te le dis franchement, voilà, dans l'extra time. Je pense que ça peut être bien. Je verrai si je dois placer un foudre ou pas. Mais pour le moment, un collecteur, ça me met pas en gros danger, quoi. Clac. Donc là, j'envoie les troupes vraiment au fond. J'envoie les troupes au fond, sur la défense. Et là, si je pouvais économiser un fou... Le fou, je le fais même pas péter sur sa tour, je vais le faire péter sur ses troupes. Regardez, hop, hop ici en fait, sur la... Voilà. Magnifique. Oh, magnifique. Magnifique, les gars. Je suis refait. Allez, hop, ici, là, on met des troupes en défense. Là. Attention, là, faut pas que le golem, il... Faut pas que le golem, il nous mette en PLS. Attention, attention, parce qu'il y a quand même encore des troupes qui arrivent là-bas. Oh, la belle def, la belle def, on a eu la tour les amis, on a eu la tour, on est à 10 secondes de la fin avec un bourreau, je sais qu'il a le foudre, je sais qu'il a le foudre, mais je pense sincèrement que ça pourra pas le faire, je pense sincèrement que ça pourra pas le faire, on a eu la voleuse, oh là là, yes, yes les amis, ça fait plaisir, doucement son micro, ça fait plaisir, non, 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 on va pas se mentir, on va pas se mentir, ok, plus 33, plus une couronne, ok, on va enchaîner sur le dernier match, on va enchaîner sur le dernier match, on remonte en ligue, ok, allez, allez, encore un combat, et on est contre Nico des Heisenberg, je les ai déjà affrontés, c'est des très très bons joueurs ce clan, donc là va falloir être prudent, va falloir faire preuve de souplesse et de tact, c'est parti. Ok, il ouvre la game de suite, d'entrée de jeu, et moi ma bûche qui va aller prendre sa princesse, regardez, hop, ici, et je traîne pas, j'ouvre avec un golem, on va voir comment lui il réagit, bien joué les gobelins, malheureusement il les a splittés avant de voir le golem arriver, donc il sait que ça va être compliqué, les archers qui sont peut-être un petit peu trop près là, et ouais malheureusement pour moi, un petit peu trop près, c'est une tour qui va tomber ça, faut que j'économise le bourreau, faut que j'économise le bourreau, parce que là il sait qu'il va me faire mal, vite, oh là là j'en ai ciblé qu'un, oh là 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 là. J'ai ciblé qu'une gargouille, je sais pas si vous avez vu. Ah ouais, bah là, il peut être content. Là, il peut être content. Alors, je vais garder le baby drag. Maintenant, j'économise tout mon élixir, là, parce que là, lui, il veut me mettre le push, il veut me mettre le push ultime, hein, je vous le dis tout de suite. Oh là 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 là. Ça, ça sent la défaite. Si je perds pas... Si je perds pas, c'est un miracle. Si je perds pas, c'est vraiment un miracle. Parce que là, je vais devoir me concentrer en genre full def, quoi. Et ça va être ultra, ultra compliqué. Hop, donc là, c'est des petits push, hein, voilà. Oh bah le... Pff, c'est mort. C'est mort avec le cochon, j'avais pas vu le cochon mais... Ah ouais avec le cochon c'est terminé quoi. Avec le cochon c'est terminé. Je prends trop cher. Je prends trop cher sur le combo basique mineur gargouille. Et c'est peut-être le prochain deck que je vais mener hein, d'ailleurs. Un mineur. Parce que c'était l'un des decks avec lequel j'ai pris le plus de plaisir. Je fais un petit quatrième match parce qu'on a 8 minutes de vidéo. On sait tous que le format 10-12 c'est mieux pour tout le monde. Azerty des French Army, ok. Putain, je suis un peu vert là sur ce dernier match. Du coup, faut le remporter celui-là. Sinon, ça ferait deux victoires de défaite. Autant te dire que je suis en PLS au bout de ma vie, quoi. Hop, allez, on tente comme ça. Une petite bûche, c'est cadeau. Génial. Oh oui. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Le focus sur la tour. Je vous rappelle que la bûche était pré-shot, donc c'est pas de la chance. Hop, ici, ok. Ici, clac. Donc là, on met tout sur la def. Hein, faut pas déconner. Là, il faut une def solide. Faut une def très solide. Par contre, maintenant, on récupère de l'élixir. Parce que regardez là. On va pouvoir placer une voleuse juste devant. Et ça, ça peut faire très très mal. Attention. Même pas besoin de jouer la bûche. Ouf. Est-ce qu'il va tomber ce bouliste? Yes, il tombe et il coûte cher en plus. Et on met un coup de bourreau. Yeah. On met un coup de bourreau. C'est bon ça. Ok. Ok, en plus les French Army sont tous assez prétentieux, donc ils doivent se dire ah c'est bon David K, je vais lui mettre une branlée et tout. Attends mon gars, on n'y est pas encore. Et là je place mon premier golem, attention sur le push à gauche. Pas de push à gauche pour le moment. On est bien, on est très très bien. Ça veut dire que ouais, j'ai de l'élixir, ok. Le géant devant c'était sûr. Ah merde, j'ai pris le géant en focus. J'ai pris le géant en focus et là ça fait chier. Alors je joue une bûche parce que c'est essentiel pour que mon gobelin puisse prendre la tour. Pour que mon golem puisse prendre la tour. Et j'ai limite envie, regardez maintenant, d'appuyer le golem. Parce que là il sait que, attention, t'as un golem à la tour. Par contre là je joue plus rien, c'est à dire que je dépense plus mon élixir. Parce que attention à pas trop s'enflammer. Parce que si je m'enflamme de trop, à tout moment il me calme. Et derrière il me met un gros push sur la gauche, tu vois. Donc je préfère pas tenter le diable. Je préfère pas tenter le diable et jouer tranquillement ma petite défense. Alors mon golem qui va quand même faire très très mal, qui met ses points à la tour, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Voilà, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Je préférais être prudent parce que je sentais qu'il allait me faire un petit coup du style. Et là, je préfère dépenser même un petit peu beaucoup d'élixir, quitte à, voilà, quitte à me faire un petit peu manger. Mais c'est pas grave parce que de l'autre côté, regardez, hop, ici. Et là, par contre, va falloir encore une fois défendre parce qu'on a la voleuse qui va prendre la charge. Ouh, bien joué, ça. C'est bien joué. C'est bien joué. Alors, hop, je vais rejouer un bourreau, mais de suite. Regardez, comme ça va prendre le focus. Voilà, parfait. Parfait. Je suis bien. Je suis bien. On a une tour qui est à 1700, je rappelle. Je peux pas cibler tout le monde. Ça, c'est dommage. Hop, petit golem par ici. Je vais pas chercher la principale. Je veux pas trop faire le fifou, tu vois. Je veux pas trop faire le fifou et me dire, vas-y, allez, après regretter. Donc je préfère qu'ils prennent une tour limite et que moi je puisse mener un counter voilà, qui va être intéressant. Voilà, donc là je vais mener le counter de toute façon. Hop, voilà, allez, 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 le golem lui il va passer. Voilà, on va mettre une petite voleuse ici. Des petits gobelins là, logiquement c'est tout bon. Logiquement c'est tout bon, voilà, là ça a pris le focus de la tour. Allez, t'as le bourreau là niveau cible il est pas énorme. Allez, 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 il faut le prendre. Oh là 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 là. Ok, bon, après, maintenant, ça va le faire. Petit dragon ici. Putain, j'arrive... Putain, je stresse, là. Ok, c'est bon, je me suis débarrassé. Il me reste 30 secondes. 30 secondes. Allez, le premier foudre. Le premier foudre qui va tomber. 23 secondes. Faut que je cycle. Faut que je cycle. 151, allez! Oh là là, 35, voleuse, gobelin. Putain, si j'ai pas l'élixir, mon gars. Ouf! Oh putain. Yes! Plus 27, c'est bon. Oh, ça fait plaisir. On revient. 4920, ok, les potes, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va chercher 3 victoires pour les 5000. Merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que la vidéo vous a régalé. N'oubliez pas de vous abonner, bientôt je retrouve mon bureau, mon décor, tout ça, tout ce qui va bien. On se dit à la prochaine, salut salut.